Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le 4 mars 1900. Le tribunal et la cour de Paris a débouté les héritiers de leurs prétentions sur la succession d'Edmond de Goncourt. L'académie va donc exister, mais sans poète, selon la volonté du testateur. Le Times rapportait l'autre jour une conversation que son correspondant de New York avait eue avec le représentant officieux du Transvaal, monsieur Montagu White. Celui-ci, au cours de l'entretien, aurait déclaré « Le seul espoir des deux républiques, c'est l'Amérique. Si l'Amérique intervenait, la guerre serait finie dans 15 jours. » Mais l'Amérique interviendra-t-elle? Y songe-t-elle seulement? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l'ambassade, avenue Kléber. Un diplomate éminent, que nous y avons rencontré sous promesse qu'il ne serait pas nommé, nous a confié. Les lettres, les journaux que je reçois d'outre-mer sont pour me confirmer dans l'idée que les États-Unis n'interviendront pas. La doctrine de Monroe demeure notre règle et nous ne nous mêlons pas des querelles tant que les intérêts américains ne sont pas en jeu. Un seul cas pourrait nous faire sortir de la réserve que nous nous imposons, si le gouvernement de la reine et celui du président Kruger tombaient d'accord pour demander notre médiation. Mais je ne crois pas que cette éventualité se présente jamais. Ce rôle d'arbitre ne nous sera pas offert et nous ne voudrons pas intervenir militairement. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.